Salut mon petit mammouton. Tigre, toujours vouloir bouffer le cul de Kronk. Même la dernière fois, Kronk parti faire caca tranquille dans la forêt. Et Kronk s'accroupir comme ça pour caca. Et Kronk pas compris ça, mais en fait, Tigre caché derrière buisson, derrière Kronk. Et ça, pas de chance. Parce que Tigre approchait doucement dans buisson comme ça, proche cucu Kronk. Et d'un coup mordu comme ça! Alors Kronk hurlait, courir partout avec Tigre accroché au cucu, très très mal ça. Même à cause de ça, Kronk perdu une moitié cucu. Et même pendant des semaines, pauvre Kronk, pas pouvoir s'asseoir, toujours rester debout comme un con. Même dormir debout, essayer pas tomber pour pas toucher cucu, très difficile. Aujourd'hui, pauvre Kronk, encore cicatrice sur les fesses. Hein. Moi, pas montrer-toi, mais ça ici. Tigre, pas gentil quand même. Hein. Toujours essayer bouffer Kronk. Mais Kronk a pris une grande leçon de beaucoup années de chasse, beaucoup années à combattre Tigre, toi bien écouté. Une fois pendant plusieurs jours, Kronk pas trouvé à bouffer, rien du tout. Pas trouvé petit lapin, petite biche, petite mouche, petit ver de terre, rien du tout. Ce jour-là, mauvaise journée, hein. Kronk beaucoup crevait la dalle quand même. Hein. Et d'un coup, Tigre arrivé pour bouffer Kronk. Mais cette fois, Kronk tellement faim. Et du coup, Kronk fait l'œil du tigre, l'œil du lion, avec Tigre en face de lui. Comme ça, regarder, tourner autour, grogner, baver, frotter pieds par terre, comme ça. Et d'un coup, Kronk, tellement fin, lui, sautait comme ça, attraper Tigre à la gorge, mordu comme ça. Ouais, ce jour-là, Tigre, pas bouffé Kronk, hein, mais plutôt Kronk bouffé Tigre. Et Kronk, vraiment, tout bouffé, hein. Pas laisser une miette, hein. Bouffer poils, bouffer dents. Bon, même si dents, dur à faire caca après quand même. Hein. Bouffer yeux, même si ça, un peu dégueulasse quand même, hein, on est d'accord. Et ça, seule chose restait Tigre hein, pour goûter Kronk tout à l'heure. Donc toi bien comprendre, hein. Même quand danger te paraît plus grand que toi, paraît très impressionnant, lui bouffer toi comme Tigre. En fait, quand toi vraiment envie, quand toi vraiment courage, quand toi vraiment besoin, toi possible combattre n'importe quel Tigre, même miam miam miam, manger petit Tigre. Donc toi maintenant toujours te rappeler, hein. Quand toi affronter Tigre, même si fait très peur, très grand, beaucoup dangereux, quand toi encore plus vouloir bouffer Tigre, toi gagner Tigre. Et même des fois maintenant, Tigre, peur, Kronk. Même des fois, maintenant, Kronk, chasse et tigre. Toi, fort. Toi, courage. Toi, avoir la rage de vaincre. Toi, bouffer du lion dans ta tête et dans ton cœur. Et après, toi, gagner les tigres à dents de sabre de ta vie. D'accord, mon petit mammouton. Toi, regarder bêtisier. Toi, liker, commenter, partager. Très important pour autres hommes et femmes des cavernes. Content, écouter Histoire Kronk. Ça, très important, tu sais. Moi, aimer toi. Nous continuer aventure ensemble. C'est parti. Et toi, toujours te rappeler. Un coup mordu comme ça. Kronk encore, énorme cicatrice sur le cul, hein. Moi, j'en montrerai toi, si toi vouloir. Et d'un coup, Tigre arrivé pour bouffer Kronk. Mais cette fois, Kronk tellement faim. Et d'un coup, Kronk sautait sur Tigre comme ça et bouffait un loup. Et Kronk vraiment tout bouffé. Hein. Bouffer les yeux. Bouffe les yeux. Même des fois maintenant Kronk chasse et tigre. Même des fois Kronk maintenant chasse et tigre aussi.